Un dimanche, une œuvre. Fille à la fleur, Marc Ribou, 1967. Aux fenêtres des chemins de fer de notre enfance, une plaque en plusieurs langues nous prévenait. Il est dangereux de se pencher au dehors. Pour nous, photographes, notre devise devrait être le contraire. Il est recommandé de se pencher au dehors. Il nous faut sortir, regarder la vie devant soi et laisser les comptes et les petits papiers derrière. Marc Ribou, photographe de l'agence Magnum, se penche pour regarder le monde. Regarder le monde pour essayer de le comprendre et pour nous en donner sa vision de paix. Car c'est de la paix dont il est question dans le travail de Ribou et dans cette photographie, La fille à la fleur. Nous sommes en octobre 1967 à Washington. Une grande marche pour la paix est organisée. Une marche contre la guerre au Vietnam qui réunit toute la jeunesse américaine. Marc Ribou est là, au cœur de la foule. Et c'est la percée. Sur un moment de flottement du service d'ordre, un groupe de manifestants s'aperçoit qu'il n'a pratiquement plus personne devant lui. Il fonce alors vers une des portes du Pentagone. Les soldats contre-attaquent. Et à partir de là, chacun restera sur ses positions. C'est alors que Marc Ribou a photographié cette scène étonnante. Une femme qui fait le geste d'offrir une fleur aux soldats, puis la jette à leurs pieds les défis. Aucun de vous n'aura le courage de ramasser une fleur. Marc Ribou ancre cet instant sur la pellicule et grave ce moment dans la mémoire collective. L'image est poignante. Elle n'est pas une arme blanche, mais une arme douce comme les pétales d'une fleur. Douce comme le regard que Marc Ribou porte sur les hommes, douce comme cette époque du flower power. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? La fleur est là, au centre de la photographie de Marc Ribou. Elle n'est pas perdue, elle ne fanera pas, elle est gravée sur la pellicule pour l'éternité. La fille à la fleur de Marc Ribou devient un symbole de paix, au même titre que la colombe. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Le voyage en utopie commence.